Bonjour Christine. Bonjour Thibault, bonjour Jennifer. Bonjour Christine. Merci d'être avec nous comme tous les jeudis. Aujourd'hui, on ne va pas parler de couleurs, pas de lumière, pas d'objets, pas de forcément de tendance, mais là, on va parler plutôt vraiment d'un concept, un vrai, un pur, un dur. Et en plus, on a de la chance puisqu'il est 100% Picard. C'est ça. Ça se présente sous cette forme-là. Comme ça, on me dit, mais qu'est-ce que c'est? On a l'impression que c'est une bande qu'on met autour du bras quand ça ne va pas. Voilà. Et pourtant, c'est une bande en pierre, en grès plus exactement. Ça ressemble à du sable. Voilà, c'est de la poudre de quartz, Thibault, donc qui sont extraites de carrière et qui arrivent directement sous forme de rouleau de 3 mètres carrés. Donc on travaille et s'utilise en intérieur comme en extérieur. On vous a fait préparer quelques petits échantillons sur le plateau pour décorer alors vos murs, vos plafonds, tout objet, ça peut être cheminée. Et on peut le travailler de plein de façons différentes. Il existe en 25 coloris, puisque c'est extrait, là, je ne sais pas si on voit, de différentes carrières. Donc, selon les carrières, on a des coloris différents. Déroulé, ça donne ça à l'image. C'est-à-dire on peut dire que ça se pose presque comme du papier peint. Ce n'est pas tout à fait la même technique. Pas tout à fait. Question, est-ce que ça se pose simplement, facilement, on va dire? Alors, ça se pose assez facilement. Après, c'est la façon dont on le pose. Comme je vous l'avais vu sur le plateau. Donc là, on a une espèce de contour de fenêtre, on va dire. Voilà, et on a fait un soubassement. En fait, ça travaille tout simplement au ciseau ou au cutter. On découpe des morceaux de carré quand on le veut en façon brique. Ouais. Ou on peut le coller directement en bande complète pour faire un mur comme si c'était un mur de pierre. Donc comme là on le voit sous la fenêtre, en fait on a vraiment l'impression que c'est un vrai mur alors que c'est simplement on va montrer l'arrière. C'est un faute de trompe-l'œil. Ça fait vraiment, une fois qu'on le retourne derrière, c'est tout fin en fait. Voilà, c'est à l'épaisseur de votre rouleau, comme ça. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut faire des courbes, des ronds, parce qu'on le manipule comme on le veut, et on le tourne, comme ça, comme on le veut. Et à la suite de ça, après, on met un stabilisateur. Ça a une garantie, il faut le savoir, décennale. Donc, c'est un produit quand même qui est hyper bien garanti. Il a été utilisé en Allemagne depuis bien longtemps, mais n'a jamais été exporté. On va voir ça à l'image. Toutes les déclinaisons possibles que l'on... Voilà, alors là, on voit une cheminée, là, on voit une boule décorative avec une lumière dedans. On peut presque le décliner à toutes les sauces. Alors voilà, ça c'est le plus intéressant, c'est ce que ça donne à l'extérieur. Ça résiste aussi au... Ah, complètement, puisque je vous dis, à la pluie, au froid, au gel, puisque ça a une garantie vraiment décennale. Donc on s'engage lorsqu'on le pose, hein, bien sûr. Si vous l'achetez en kit et vous le posez vous-même, vous n'avez pas complètement cette garantie au niveau de la pose, puisqu'elle ne sera pas forcément peut-être posée dans l'art du métier. Mais par contre, si vous le faites par une entreprise qui diffuse ce produit-là, il n'y a aucun souci, vous avez une belle garantie et vous avez un produit à vide. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur une base béton et après faire un effet pierre. Et en fonction de la masse de colle que vous mettez derrière, si vous mettez une colle plus importante, on peut le modeler et faire des formes comme une pierre. Alors par exemple, si on décide de faire, pas une terrasse, un mur en pierre et qui manque toujours le petit 2-3 cm qui fait que c'est compliqué d'aller couper une pierre pour faire ce petit joint. Avec ça, aucun problème. Hein, parce que je vous dis, là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre le rond. On va coller le stabilisateur après, donc on ne verra absolument plus rien. Et on prendra son aspect unique de pierre. Et là, vous aurez vraiment un résultat c'est assez bluffant quand même. C'est original. Hein. Oui. Alors, on a la chance que ce soit un Picard quand même, donc il faut le dire. On va montrer le site internet tout à l'heure avec Jennifer. Juste une précision sur le prix d'abord. Parce que quand on voit ça, on se dit oui, mais alors ça doit coûter bonbons. Forcément, quelque chose d'original, ça coûte plus cher. Et pourtant on est à 44 euros du mètre carré. Et on peut le poser soi-même et il existe une vente en kit sur la base d'un rouleau de 3 mètres carrés avec le stabilisateur et la colle pour coller le produit. On peut le faire vraiment soi-même ou c'est préférable d'être avec... Je vais vous amuser parce que je sais que vous n'êtes pas macho Thibault, donc c'est quand même un avantage. Figurez-vous que c'est un maximum de femmes qui l'achètent et qui le travaillent. Quand ils l'achètent en kit, ce sont souvent des femmes. Ça vous parle ou pas? Ça vous parle, hein? Bon... Tout me parle. Vous le feriez, vous, ou pas? J'ai installé un mur de pierre chez moi, donc je peux tout faire. D'accord. Donc c'est faisable, facilement. C'est complètement faisable. Alors sur internet, stonediscount.fr, c'est un entrepreneur Picard, mais il n'y a pas vraiment de magasin. En fait, les informations, on peut les avoir soit par téléphone, soit directement sur le web. Voilà, vous le joignez, et il vous expliquera largement, parce que c'est un passionné, vraiment. C'est du marbre flexible.
Claude Van Viermeersch est vraiment passionné de ce produit et vous transporte, et il m'a transporté, c'est pour ça que je vous l'ai emmené aujourd'hui. Ah bah voilà, vous voyez, ça s'appelle stonediscount-fr.com, voilà. Toutes les informations évidemment sur internet avec tous les échantillons, le marbre flexible, oui, les commandes et les promotions aussi. Regardez Thibault, vous avez montré une palette de coloris différents selon l'extraction de carrière. Très bien, voilà. Elle est derrière vous. Voilà. Elle est derrière moi. Super. Merci beaucoup Christine et vos bons plans, vos bonnes idées comme à toujours. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Au revoir. Direction l'extérieur, Mathieu, Guiraud, ça y est, on va pouvoir goûter et sentir du chocolat. Regardez.